Eh bien salut tout le monde, c'est Isaac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity. J'ai ma mission qui est située dans ce bâtiment. Par contre j'ai un petit clocher là qui m'a été signalé, donc je sais pas vraiment si je vais faire la mission tout de suite ou si je déclenche ce petit clocher. Je vais voir juste ce que ça me marque. Saboter. Alors, est-ce que ça risque de faire quelque chose? Est-ce qu'on va me poursuivre si je fais saboter? Ou est-ce que ça va rien faire? Je vais voir. Je suis passé recrue supérieure. Cloche d'alerte saboté. Félicitations, vous avez atteint un nouveau rang d'assassin recrue supérieure. Ben voilà. Utilisez les points credo pour améliorer et personnaliser votre équipement. Ok. Alors, on va essayer d'aller tout au-dessus. Hop. Voilà, j'arrive à la remise de diplôme. Jouer. Ah, ces fameuses sauvegardes. Quelle est la mission? La mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir. Donc, la difficulté d'une mission est indiquée par des losanges, d'accord? Plus ils sont nombreux, plus la mission est difficile, c'est logique, et les ennemis puissants. Ok, votre niveau de joueur est également représenté par des losanges. Plus ils sont nombreux, plus il est élevé. L'achat de compétences et de meilleurs équipements augmente votre niveau de joueur. D'accord? Oula, tuer les gardes et saboter la cloche. Ah d'accord, j'ai une autre cloche à saboter. Et donc... Ah, je dois faire des meurtres discrets. Voilà. Hop là. On va voir comment ils réagissent, les mecs. Ça risque d'être tendu, hein. Ok, donc je vais peut-être essayer de passer derrière le... Enfin, au niveau du caisson. Par contre, une fois que je vais tuer celui-ci, je risque d'être embêté par les autres. J'attends juste que l'autre Ascar la passe. Lui, il faudrait qu'il regarde de l'autre côté. Ok. Allez, je vais y aller. Merde. Là, tu as enfreint la loi. Bon, ça sert à rien. La mission va être achevée. Non, même pas. J'aurais pensé que la mission aurait été achevée. Mais en fait, à chaque fois quand je me cache comme ça, j'ai un petit peu de mal. Le truc que je vais faire, je vais attendre que lui avance. Et une fois qu'il va aller vers l'autre garde, je vais tuer celui qui est le plus à droite.
Allez. Le sergent, merde! Tiens. Et voilà. Bon, c'était pas fameux puisque le premier, j'ai un peu merdé. Le seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte empreint de désespoir. Et pour le prêtre? Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Sivert. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. À l'aide! Au meurtre! Il faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors? Tiens. La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Sivert est toujours en vie? Il a tué Monsieur de la Serre! Sois patient, Sivert n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Bien. Le conseil attend notre rapport. Donc, appuyer. Ouais, ok, je vais faire une bombe lorsque vous êtes équipé. Ok. Je l'ai, tu ne passeras jamais si tu n'utilises pas de bombe fumigène. Tu ne passeras jamais si tu n'utilises pas de bombe fumigène. Allez. Oh, tu ne me perdras pas. Je te tiens. Une chance. Voilà. Putain, il est allé vite, lui. Voilà. Il est temps de faire tes preuves. Allez, je te suis. Tes jours sont comptés. Voilà. Allez, on va le suivre. Oula. Il y a plein de mecs. Comment te portes-tu? C'est bon ça? Ok. J'ai un peu de mal quelquefois avec les vues. Voilà, donc on arrive au point. Ah ah, d'autres gardes. Merde, des patriotes. Ces abrutis veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon? Arrête-les, évite-les, peu importe. Les fanatiques, ça court les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes. Donc, les extrémistes en rouste. Oula, je suis vraiment fatigué, hein. En rouge, harcèlent la population. Ils sont payés par les Templiers, ils vous reconnaîtront et vous attaqueront n'importe où. D'accord. Debout tout le monde! Rémi a trouvé le corps de Monsieur Arpillon dans une cour à deux pas d'ici. Il s'est fait égorger. Arrête-toi! Ils sont en train de tuer tout le monde. J'ai bien envie de les tuer. Tiens. Bim. Oh. Oh, il m'a fait mal. Ah merde.
Je suis mort. Putain, il m'a fait mal celui-là. Enfin, le dernier, il m'a fait mal. Mais il m'avait mis, je crois, une... Il m'avait tiré déjà une balle au pistolet. Où est-ce que je vais réapparaître du coup? J'espère qu'ils vont pas me faire recommencer toute sa mission. Non, c'est bon. Bon, je vais les achever. Et mais... Ok, bon lui je vais te tuer. Voilà, nickel. Par contre, ma vie... Voilà, nickel. Je vais pouvoir le suivre tranquille. Alors... Ok, il monte. J'aurais peut-être dû ramasser, enfin fouiller les mecs que je viens de tuer, mais bon, tant pis. Je ménage ton vieux cœur usé. Oula. Non. Ouh, je me suis fait peur. Je me voyais déjà en bas, en train de me vautrer. Je ménage ton vieux cœur usé. Hop là. Il commence à me faire galérer. Je courrai encore quand tu seras mort. Où est-ce qu'on va comme ça? Doucement, merdeux, tu vas blesser quelqu'un. Ok, apparemment c'est déjà. Ah non, même pas. C'est juste que ça, ok, c'était un petit point. Tu veux faire une pause? Ok. Combat entre factions. Les gardons bleus attaqueront toujours en premier les extrémistes. Évitez de les attaquer pour réduire le nombre de conflits. Ok. Ouais, bah au final, tant pis. Tiens. Et tiens. Voilà. On va les fouiller tranquille. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et voilà. J'ai trouvé un cadavre. Par contre, il est parti où l'autre? Ok, il est descendu. Ok, il est là-bas. Hop là. Je ne peux pas le croire. Cela fait un an qu'on n'a pas vu Sivert. Et tu le laisses partir? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier? C'est pas le bon moment. Trop de choses à prendre en compte. Trop de choses qu'on ne contrôle pas. Et s'il disparaît de nouveau? Ah. J'ai peut-être appuyé trop tôt. N'empêche l'autre, il veut pas trop rentrer en conflit contre les extrémistes, mais bon. Moi ça me fait un petit peu de combat comme ça. Salut Arnaud. Alors boutique, vous pouvez reconstituer votre stock d'outils, de munitions et de remèdes, blablabla. Ouais bon ça on le sait. Et maintenant, que fait-on?
On donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'il s'empresse de ne rien en faire. Trois autres Templiers ont été tués cette nuit. Tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier. Les Templiers ont pris l'habitude de s'entretuer le depuis 89. Il se prend pour grand homme de paix. Il se croit capable de mettre terme à la guerre entre assassins et Templiers, de pacifier la Révolution et de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente. Et c'est mal ? C'est une chimère qui n'existe que dans sa tête. Les Templiers n'ont jamais été aussi faibles depuis la mort de Jacques de Molay. Et nous faisons la chasse à de misérables contrebandiers. Tout ça parce que Mirabeau veut entrer dans l'histoire. Monsieur de la Serre pensait qu'une trêve était possible. Regarde où ça l'a mené. Ok. Bon, c'est bon, il a terminé de me parler. Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Harpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent ? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la Serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Siver. Siver était là-bas ? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Lui a appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Siver. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Ok, mémoire terminée, remise de diplôme, on va continuer. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là-dessus pour cette mission. On ira voir donc le Templier la prochaine fois. Il est où ? Oula, il y a trop de points là. Voilà, donc il faudra aller voir Charles Gabriel Siver, l'un des meurtriers de Monsieur de la Serre. Doit retrouver un client à Notre-Dame, découvrir ce qu'il sait et tuer-le. Bah écoutez, ça je m'en chargerai pour la prochaine vidéo. Je pense que ça sert à rien de continuer, enfin de mélanger trop de missions en une seule vidéo. Et comme ça, vous, ça vous fait en plus des petites vidéos, ça évite de faire des vidéos trop longues. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde!